Bonsoir à tous, bienvenue sur ABC dans Live. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre 18e, 19e édition. J'ai vu Marc, on avait calculé tout à l'heure. En tout cas, un nouveau webinaire ce soir, exceptionnel. Je suis très 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 heureux de recevoir Pascal Valentini, qui fait quand même partie, il faut le dire, de ces personnes qui comptent aujourd'hui dans le monde et qui est un digne représentant de l'implantologie française. Et avec nous ce soir, Marc Baranès, mon compagnon de route, chirurgien oral et rédacteur chef de la revue Implant chez CDP. Marc, c'est toi qui vas venir introduire Pascal ce soir et je vous laisse la scène à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Pascal Valentini, qui est diplômé de l'Université de Paris 7. Il est co-directeur du diplôme universitaire d'implantologie de l'Université de Corse et professeur associé à l'Université de Loma Linda. Il est aussi passe-président de l'Association européenne d'ostéointégration, l'EAO. Et il fait partie des experts français dans la, comment dire, pour la partie comblement sous-sinusien. Et ce soir, il va nous parler spécifiquement de la prévention des complications lors d'un sinus lift avec la bonne sélection du patient et la gestion de ces complications péropératoires. Et donc, je vais lui laisser la parole pour cette partie de la prévention et de la sélection du patient. Voilà, merci Pascal. Voilà, merci Marc. Merci à toi Jérôme aussi de me donner l'occasion de m'exprimer ce soir. Je sais que ABC Dents est très active dans le domaine de la formation et vraiment je vous remercie de tout ce que vous faites parce que c'est aussi le désir qui nous anime à l'Université de Corse de donner la possibilité aux confrères et aux consoeurs qui veulent bien nous rejoindre, d'améliorer leurs pratiques quotidiennes en implantologie, tout ça pour les tranquilliser aussi, et puis pour tranquilliser leurs patients. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de la sélection du patient candidat à la greffe du sinus maxillaire. Que faut-il faire pour, une fois qu'on a posé l'indication de réaliser une greffe du sinus maxillaire, que faut-il regarder pour que ça se passe bien? En fait, à quoi faut-il faire attention? Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler un petit peu de notre façon d'approcher le maxillaire postérieur atrophique. Vous voyez sur cette radio, il y a deux possibilités. Soit l'os est relativement raide, comme c'est le cas sur le sinus droit ici. Dans ces cas-là, on va préférer une approche latérale avec ou sans pose simultanée d'implant. Ça, c'est lorsque la hauteur osseuse sous-sinusienne est inférieure à 6 mm. Et si elle est de 6 mm, voire au-delà, enfin si elle est de 6 mm, nous préférons nous limiter à l'utilisation d'implants courts. Comme vous le voyez, je ne vous parle pas d'approche crestale. C'est un sujet qui est très controversé, toujours. Nous ne l'utilisons pas pour plusieurs raisons. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On pourra en parler une autre fois, si vous voulez. Mais nous ne sommes absolument pas fans de l'approche crestale. Voilà, donc on pourra éventuellement en parler tout à l'heure si nous avons le temps. Alors, la greffe du sinus maxillaire, comme toutes les techniques chirurgicales, il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, eh bien, c'est les complications. Pourquoi? Regardez un petit peu, ici, nous avons deux articles qui font référence dans la littérature qui traite de la greffe du sinus maxillaire. Ce sont des révisions systématiques de la littérature qui ont été faites par l'équipe de New York, par Steve Wallace, et par l'équipe de Tiziano Testori à Milan. Ces deux publications datent du début des années 2000. Donc, ils ont fait une révision systématique de la littérature disponible au début des années 2000 avec un follow-up. Ils ont sélectionné toutes les études qui avaient un follow-up supérieur à 5 ans et on a vu que le taux de survie des implants, en gros, à cette époque-là, était de l'ordre de 92%. Si vous regardez d'autres révisions systématiques de la littérature qui ont été faites
beaucoup plus tard, une quinzaine d'années plus tard, avec le même follow-up, on arrive à un taux de survie de 95%. Pourquoi ? Tout simplement parce que, au fur et à mesure que le temps passe, nous forgeons une expérience et donc on va pouvoir améliorer non seulement notre technique, mais aussi la façon dont on sélectionne nos patients. Et vraiment, la sélection du patient, quelle que soit la technique qui va être employée, c'est vraiment l'élément clé pour pouvoir améliorer les résultats que va nous donner cette technique. Si vous regardez cette publication de Bjarni Peterson de 2014, de façon générale, en implantologie, il y a une courbe d'apprentissage et cette courbe d'apprentissage, elle montre qu'il y a un meilleur taux de survie longtemps après l'utilisation de cette technique. Tout simplement, c'est que, en fait, grâce aux complications que l'on peut avoir, on va se forger une expérience afin d'améliorer les résultats que l'on va obtenir avec cette technique. Pourquoi ? Tout simplement, quel que soit l'accident de la vie auquel on peut être confronté, donc une complication avec une technique chirurgicale, ça en fait partie, pour pouvoir nous préparer à affronter le cas suivant, si je puis dire, il va falloir bien analyser les raisons pour lesquelles on a eu une complication en se posant deux questions. Pourquoi ai-je eu cette complication et comment aurais-je pu l'éviter? Si on regarde quel type de complication on peut avoir avec les greffes de sinus, essentiellement, la complication qui est la plus difficile à gérer, qui est la plus préjudiciable, c'est l'infection. Alors, et ces infections, elles surviennent, si on regarde la littérature, peu souvent. En fait, elles peuvent prendre plusieurs visages, si je puis dire. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs types de complications. Elles sont toutes différentes. Elles ont toutes des causes différentes. Mais heureusement, si l'on regarde la littérature, le taux de complications de type infectieux varie entre 3 et 5 %, ce qui n'est pas énorme. Mais, il y a un mais, si nous avons ce type de complications, elles peuvent être très sérieuses. Comme par exemple, ici, vous allez voir, on peut avoir une communication oro-entrale très importante qui va être très difficile à gérer, après justement une sinusite provoquée par un problème post-opératoire. On peut avoir aussi des ostéochimionécroses au sein du greffon. On reverra pourquoi ça peut arriver. On peut avoir, comme vous voyez ici, c'est la vidéo que vous venez de voir, une sinusite aiguë qui est survenue 3 semaines à peu près après l'intervention. Là aussi, il y a une cause bien précise. On peut avoir des sinusites qui sont dues à des périimplantites, donc qui vont survenir de nombreuses années après la greffe, on va en parler aussi. On peut avoir des complications beaucoup plus graves, comme par exemple cet aspect intracrânien qui est consécutif à une sinusite post-greffe qui a été très très mal gérée. Donc vous voyez, ces complications peuvent revêtir plusieurs aspects, plusieurs visages, et donc l'important, c'est de bien comprendre ce qui arrive. C'est vraiment fondamental, ça. Si on regarde la littérature, si on revient donc à ces publications, ces révisions systématiques de littérature du début des années 2000, à l'époque, on se disait que le taux de survie des implants, ça dépendait essentiellement du matériau de greffe qu'on allait utiliser, de la technique chirurgicale, est-ce qu'on utilisait des surfaces implantaires lisses ou rugueuses, c'était assez courant pendant les années 90. Mais il faudrait ajouter à ces trois facteurs qui décident du taux de survie des implants à long terme, bien évidemment, il faudrait ajouter un autre facteur qui est vraiment fondamental à mon sens, c'est
la sélection du patient. La sélection du patient, elle va nous permettre justement de prendre, de prévoir les conséquences de notre intervention. Et pour que ces conséquences soient les meilleures possibles pour le patient, il va falloir savoir les détecter en amont de notre intervention chirurgicale. Il y a une publication à laquelle je fais référence maintenant au travers de cette diapositive, qui est absolument indispensable de connaître, qui est ancienne, mais qui fait vraiment encore référence. C'est cette publication de Tim Haga et collaborateurs à la fin des années 90, qui nous dit que, en fait, la survenue de complications de type sinusite chronique ou aiguë semble limitée aux patients qui ont des prédispositions pour cela. Donc, nous, notre rôle, ça va être de détecter ces facteurs de risque, ces prédispositions. Okay. Tout ça, ça doit se faire, bien donc, évidemment. Ça peut reprendre ces complications. Là, j'ai un écho, c'est normal. Bon. Pour cela, essayer d'avoir une stratégie pour détecter ces prédispositions, je voulais vous proposer une méthode que nous utilisons maintenant depuis une quinzaine d'années. Nous avons publié les grandes lignes de cette méthode il y a quelques années avec l'équipe de Zestory et puis Philippe Herman qui dirige le service ORL à l'hôpital Lariboisière avec lequel nous travaillons de façon très très étroite pour tout ce qui concerne tous ces problèmes. Et cette technique, cette méthode, pardon, elle repose sur deux questions. Impérativement, chaque fois que nous avons posé l'indication d'une greffe, d'une sinusite maxillaire pour un patient donné, il faut voir que nous posions deux questions. D'abord, est-ce que le sinus du patient est sain ? La deuxième question, qui est très importante, peut-être plus importante que la première, c'est de savoir si notre intervention ne va pas altérer la physiologie du sinus maxillaire qui va entraîner une complication. Voilà. Donc, il faut impérativement répondre à ces deux questions successivement. D'abord, est-ce que le sinus maxillaire est sain ? Le sinus maxillaire, bien évidemment, il peut être posé un problème s'il existe déjà une pathologie du sinus. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les pathologies qui peuvent créer des problèmes, mais je vais en prendre quelques-unes et il est très facile sur Internet ou dans la littérature de trouver les autres pathologies, je vous dirai comment. Par exemple, si vous regardez cette publication qui est très intéressante, qui commence à vieillir un petit peu, elle a presque 10 ans, c'est une publication qui émane d'un groupe d'ORL dans l'État de New York qui avait l'habitude de recevoir des patients qu'on leur adressait, qui étaient candidats pour des greffes du sinus maxillaire. Et on leur a demandé, ils ont rapporté, pardon, quelles étaient, à leur avis, les pathologies à prendre en considération pour éviter d'avoir des problèmes en post-opératoire. Et si vous regardez ce diagramme, l'essentiel des pathologies que je vous matérialise ici en vert, qui sont en rapport avec une fréquence élevée de complications post-opératoires, ce sont tous les problèmes qui sont inhérents à une chose, à la perméabilité du complexe ostéoméatal. Le complexe ostéoméatal, comme vous voyez ici, c'est la structure qui permet le drainage du sinus maxillaire. Elle est composée de trois structures, dirons-nous. Ici, ici, le processus acidiforme et le cornet moyen, vous avez ce qu'on appelle le méa moyen, qui vient, pardon, l'infundibulum est ici, le méa moyen ici, et l'ostium, qui est l'ouverture du sinus maxillaire dans l'infundibulum. Comment vérifier que le complexe ostéoméatal est
libre, tout simplement en faisant un cone beam ou un scanner préopératoire. Et vous voyez ici, en regardant, en voyant qu'ici, cette zone-là est noire, celle-ci aussi, on peut dire que le complexe ostéomyatal est absolument perméable. Ça, ça n'est possible que si votre radiologue vous donne cette image-là. Et malheureusement, souvent, les radiologues ne vous donnent l'image que du bas-fond du sinus maxillaire, cette partie-là. Et malheureusement, en regardant uniquement cette partie-là, vous n'êtes pas capable de dire si le sinus se draine ou pas. Si toutefois, vous n'avez pas l'habitude de lire ce genre de cobim, si vous ne savez pas trop où se trouve le complexe ostéomyatal, vous pouvez toujours adresser votre patient à un ORL qui pourra éventuellement le vérifier en faisant ce que vous avez vu ici, je vous remets la vidéo, en faisant une fibroscopie, une endoscopie. Il va écarter d'abord le cornet moyen que vous voyez ici et ensuite vérifier que le complexe ostéomyatal est libre en regardant cette image. Voilà. Souvent, il y a des images cone beam qui sont assez imprécises, on n'arrive pas à trouver. Donc, pour être sûr, vous pouvez toujours adresser votre patient à l'ORL. Si toutefois ce complexe ostéomyatal n'est pas libre, comme c'est le cas sur ces deux images, ici en haut, vous voyez une sinusite aiguë qui se traduit par une opacification complète au niveau du sinus maxillaire droit et du sinus sigmoïdal, alors qu'il n'y a rien de l'autre côté. Ça, c'est typique de la sinusite, qu'elle soit aiguë ou chronique, mais plutôt aiguë. En bas, en revanche, vous voyez des opacifications bilatérales. Ça, c'est plutôt de type inflammatoire. C'est une polypose. Dans les deux cas, le complexe ostéomyatal est bloqué. Ici, en bas, il est bloqué des deux côtés. En haut, il est bloqué seulement à droite. Dans ces cas-là, vous allez adresser le patient à l'ORL, qui va décider du meilleur traitement pour rétablir la perméabilité de du complexe ostéomyatal. Il va faire une méatotomie en haut. Vous voyez ici, il retire le cornet moyen et il va ouvrir l'ostium ici, alors qu'en bas, il va faire une chirurgie endoscopique fonctionnelle du sinus maxillaire qui consiste à aspirer tout le tissu inflammatoire et éventuellement à retirer les cornets qui sont ici. Grâce à ces deux interventions, donc en fonction de la pathologie qui a été diagnostiquée par l'ORL, à ce moment-là, il pourra vous donner le feu vert pour que vous puissiez faire votre intervention en contrôlant l'efficacité de son intervention. Vous voyez ici, pardon, je suis allé un peu vite, j'ai un problème de clavier. Excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà, donc les deux interventions sont faites. Et là, vous voyez donc, en haut, le cornet moyen a été retiré, le méa a été élargi, il n'y a plus du tout d'infection. À ce moment-là, l'ORL va vous donner le feu vert pour faire votre surélévation du plancher sinusien. Ici, comme vous voyez, on a retiré les cornets de part et d'autre, il n'y a plus du tout d'inflammation, vous allez pouvoir faire votre intervention. Donc là, il faut impérativement attendre le feu vert de l'ORL pour engager la procédure. Maintenant, vous avez En règle générale, suite à une méatotomie moyenne, au bout de combien de temps l'ORL nous donne le feu vert pour réaliser le coup ? En général, c'est lui qui décide, c'est de l'ordre de 2 à 3 mois. Hein. C'est lui qui va faire soit un examen endoscopique, faire un cone beam, et va nous envoyer un courrier en disant, voilà, vous pouvez intervenir, vous pouvez faire votre greffe, il n'y a pas de souci. C'est lui qui décide, ce n'est pas nous qui décidons. D'accord ? Le traitement de méatotomie moyenne garantit quasiment dans toutes les situations de pouvoir faire après ou pas forcément ? Absolument. Tout dépend de la pathologie. Vous allez voir que je vais vous montrer un exemple de pathologie où même la méatotomie moyenne ne permettra pas de faire l'intervention. Parce que ce sont des contre-indications relatives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lever la contre-indication, une intervention précise. En revanche,
il y a des pathologies, pas celle qui vient ici maintenant, c'est-à-dire la dyskinésie ciliaire primitive. Ça, c'est une pathologie beaucoup plus générale qu'on observe dans le syndrome de Cartagénaire. Ça, c'est une contre-indication absolue, d'accord. Mais cette pathologie-là, qui s'appelle le papillome inversé, vous voyez ici que le méa moyen est obstrué à cause de la tumeur. Ça, c'est une tumeur bénigne de la membrane de Schneider. Ça s'appelle le papillome inversé. Mais c'est unilatéral. Il est bien évident que là, si vous voulez faire une intervention, il va falloir que quelqu'un vous débouche le complexe ostéoméatal. Et il faut savoir que cette tumeur est bénigne. En revanche, si vous la faites retirer, dans les 5 ans qui suivent, il y a un risque important de dégénérescence cancéreuse de ce genre de pathologie. Donc, il est bien évident que vous n'allez pas prendre le risque de développer un processus cancéreux chez un patient pour lui poser quelques implants. Donc ça, c'est une contre-indication absolue. Même si vous rétablissez la perméabilité, ben, il ne faudra surtout pas faire quoi que ce soit. Le mieux, c'est de ne rien faire du tout. Voilà. Donc, voilà un exemple même où la myatotomie ne garantit pas de pouvoir faire une intervention du type greffe du sinus maxillaire. De façon générale, je vous conseille de vous référer à cet excellent ouvrage qui a été publié par la Société française d'ORL, un comité d'experts. Ça a été publié à la fin 2019 ou début 2020, je ne sais plus, mais vous pouvez très bien vous le procurer en allant sur le site de la Société de l'ASF-ORL. Vous aurez tous les détails, c'est vraiment très très bien fait. Toutes les pathologies du sinus sont passées en revue et on vous donne la conduite à tenir pour chaque pathologie. C'est vraiment très 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 intéressant, je vous conseille vraiment d'aller le consulter. Maintenant, le sinus il peut être en mauvaise santé aussi à cause de pathologies dentaires. On sait par exemple que, il y a quelques années, on pensait que 10% des sinusites maxillaires étaient dus à des problèmes dentaires. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Si on se réfère aux publications beaucoup plus récentes, on voit qu'entre 20 et 50% des sinusites maxillaires sont dus à un problème dentaire. Donc, il est vraiment très important de vérifier ce qui se passe au niveau des dents pour éviter justement que ça dégénère en sinusite par la suite. On verra ça tout à l'heure. Lorsque vous diagnostiquez une sinusite maxillaire d'origine dentaire, comme c'est le cas ici, vous voyez qu'ici il y a des problèmes endoparodontaux au niveau du secteur molaire-prémolaire dans le secteur 2. Il est bien évident que ces dents doivent être extraites. Si on ne vérifie pas certaines choses, on va extraire les dents et on va avoir une belle communication bucosinusienne, réduite bien évidemment, mais vous aurez quand même une communication avec suppuration. Pourquoi ? Parce que on n'a pas vérifié avant de faire notre extraction que le sinus se draine à travers le méa, à travers le complexe ostéoméatal. Et en fait, ici, si on se fie à cette radiographie, on ne voit pas la partie supérieure, on ne voit pas que le méa est bouché, et donc on extrait. Et le seul moyen pour le pus de s'évacuer, c'est uniquement l'alvéole résiduelle, et ce n'est pas le méa, parce que pour le méa, ce n'est pas possible. Il n'y a que l'alvéole résiduelle qui peut servir de porte de sortie à l'infection, d'où l'apparition de la complication. Voilà. Donc, il est impératif, avant de faire une extraction que vous soupçonnez, d'une dent que vous soupçonnez d'être à l'origine d'une sinusite maxillaire, aiguë ou chronique, il est impératif de vérifier d'abord la perméabilité. Je vous donne un exemple. Ici, vous avez une sinusite d'origine, je pense. Il y a une extériorisation de la lésion apicale qui vient s'essaimer dans le sinus pour créer une sinusite aiguë. Dans ce cas-là, il est hors de question de faire l'extraction. On va d'abord faire une méatotomie. On va donc réouvrir le sinus au niveau du complexe ostéoméatal. Voilà la pathologie, d'accord. Une fois que le complexe ostéoméatal est ouvert et on a rétabli sa perméabilité, à ce moment-là, vous pouvez faire soit après, soit de façon extemporanée, l'extraction des
les dents causales et le curetage des lésions apicales qui ont entraîné la sinusite. Voilà. Et après quelques mois de cicatrisation, donc vous allez le voir sur le cone beam, l'ORL va vous donner le feu vert pour pouvoir faire votre greffe. Vous voyez ici, il reste une petite inflammation localisée qui n'a absolument rien de contrariant, dans la mesure où l'ostium, que vous voyez, est parfaitement ouvert. Donc là, on est sûr que ça va se drainer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la deuxième question que nous allons vous poser, c'est est-ce qu'il y a un risque d'infection post-opératoire du fait d'une altération de la physiologie du sinus patient ? C'est-à-dire que nous allons faire notre intervention, nous allons perturber la physiologie du sinus maxillaire et ça va entraîner des problèmes. Ça, c'est possible à cause de certaines particularités anatomiques. Par exemple, ici, vous avez des patients qui ont des physiques différents. Il y a des patients qui sont dolichocéphales, d'autres brachycéphales. Ça a été très bien décrit dans ces deux publications, dont une très récente de l'équipe de Tiziano Tessori à Milan. Vous voyez que les patients dolichocéphales, au niveau de l'édentement, il va avoir un édentement la plupart du temps qui est beaucoup plus long que le brachycéphale. Sa paroi vestibulaire va être plus fine que celle du brachycéphale. Et le processus zygomatique du maxillaire va être plat et il va être très volumineux chez le brachycéphale. Ce qui fait qu'un patient brachycéphale, il va être beaucoup plus difficile à traité au plan technique, je parle de l'intervention en elle-même, que le patient de l'écoute. Donc ça, il faut déjà voir ça. Dès que vous voyez votre patient qui pénètre dans le cabinet et qui sort de la salle d'attente, vous savez qu'il est adressé pour une grève du sinus maxillaire. Déjà, rien qu'en regardant son visage, ça va vous donner une idée de la difficulté du traitement ou bien de sa facilité. Alors, la première structure anatomique qui peut être très gênante, c'est la présence d'une artère, c'est l'artère alvéole ventrale que l'on voit ici, au niveau de, que l'on voit dans l'épaisseur de la paroi vestibulaire, vous voyez, c'est un petit, une tache noire, qui traduit donc un trajet intra-osseux pour l'artère alvéole ventrale, qui, lors de l'ostéotomie qui va vous permettre d'accéder à l'intérieur du sinus, va se mettre à saigner. Et souvent, c'est très 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 gênant. Certaines fois, on ne peut pas continuer l'intervention, il va falloir trouver un moyen d'arrêter ce saignement. Alors, comment est-ce qu'on peut arrêter le saignement? Il y a plusieurs façons. On peut utiliser une électrode bipolaire, mais malheureusement, la membrane a été déjà surélevée, donc on peut éventuellement utiliser l'électrode bipolaire, mais sinon, on risque de détériorer la membrane si on utilise ces électrodes. On peut aussi utiliser, on peut faire une compression, un écrasement, pardon, de l'orifice de sortie de l'artère, mais dans ces cas-là, vous allez voir qu'il va y avoir un risque par la suite. C'est un risque de récidive en post-opératoire. On peut utiliser des antifibrinolytiques, comme l'acitranexamique. Là aussi, ça va être, on va arrêter de façon temporaire l'hémorragie. On peut aussi utiliser de la cire chirurgicale, mais là aussi, il y a des risques d'infection qui ont été rapportés, des phénomènes d'infection qui ont été rapportés dans la littérature, lorsqu'on utilise la cire chirurgicale. Donc le mieux, d'abord il faut savoir que ce genre de tableau clinique, c'est surtout lorsque les artères sont assez grosses, qu'elles sont à peu près entre 1,5 et 2 mm de diamètre, comme vous voyez ici dans la publication de De Oliveira, des grosses artères comme ceci. Et comment est-ce qu'on a pu éviter le saignement de cette artère? Je vais vous le dire tout de suite. Mais d'abord, il faut savoir que le risque, comme je viens de vous le dire, c'est la récidive du saignement en post-opératoire, qui peut se traduire par trois situations cliniques au moins. D'abord, une perte de substance au sein du greffon parce que la reprise du saignement en post-opératoire va venir nettoyer la surface du greffon et il va y avoir une perte de matériaux. Souvent, on voit des granules apparaître à travers l'incision de décharge mésiale. On peut avoir aussi, ça c'est beaucoup plus embêtant, un hémosinus qui va pouvoir entraîner une infection, une sinusite, ou alors on peut avoir des caillots vestibulaires, comme ceci, vous voyez, ça c'est à la suite d'un saignement qui était mal géré,
voyez ici, qui va entraîner une infection. Donc là, on essaye de faire un diagnostic. Souvent, il y a des douleurs assez importantes après l'intervention lorsqu'on a ce type de situation. On peut, pour éviter l'infection, drainer ce hématome en utilisant tout simplement une aiguille à insuline ou une aiguille un peu plus grosse, une seringue à insuline ou une seringue un peu plus grosse, pour vider justement cette poche de sang en vestibulaire qui risque de s'infecter. Mais le meilleur moyen pour éviter ce genre de problème, c'est d'identifier l'artère alvéolo-ventrale et de la disséquer en utilisant la piézochirurgie, comme vous le voyez ici, c'est pas du tout difficile de le faire. Vous voyez qu'ici l'artère, elle est vraiment individualisée par rapport à la membrane, elle est vraiment intra-osseuse, donc on va pouvoir soulever la membrane autour de l'artère alvéolo-ventrale et greffer de façon tout à fait normale. L'autre complication importante que l'on peut avoir pendant l'intervention, c'est la perforation de la membrane de Schneider. Une petite parenthèse, là, pour vous dire que la manœuvre de Bassalva, qui habituellement est recommandée pour diagnostiquer, une perforation, vous voyez que elle n'a aucun intérêt, parce que théoriquement, cette membrane ne devrait pas bouger. Or, vous voyez qu'elle bouge sans problème et il y a 3 perforations. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de perforation si la membrane bouge. Donc il est très difficile de diagnostiquer une perforation. Soit vous la voyez, vous pouvez éventuellement utiliser du sérum physiologique, comme ça a été recommandé dans un des webinaires auxquels j'ai pu assister pendant le confinement, qui a été fait par Eric David, qui était un excellent webinaire d'ailleurs, où il recommande d'utiliser une solution iodée, avec de la bétadine tout simplement, et d'injecter cette solution iodée et voir si le patient, si elle ressort ou bien si le patient la sent s'écouler dans le nez. Si le patient la sent s'écouler dans le nez, c'est que vraiment il y a un problème de perforation, il faut vraiment chercher la perforation pour pouvoir la traiter. Alors, donc là aussi, souvent, à cause de l'anatomie, que l'on a des perforations. Donc on va pouvoir, si vous regardez cette révision systématique de littérature qui a été faite il y a 2 ans, vous voyez qu'on a identifié plusieurs facteurs de risque pour les perforations. Il y a d'abord ici, à gauche, le facteur qui doit être pris en compte, c'est la largeur du sinus maxillaire. On va revenir à ce cas-là tout à l'heure. Ici, vous pouvez voir que la vestibulaire a été positionné en position trop supérieure. Ce qui fait que la partie antérieure du sinus maxillaire a été disséquée à l'aveugle et malheureusement, lorsqu'on a un angle ici entre la paroi palatine et la paroi vestibulaire qui est inférieur à 30 degrés, le risque de perforation, il est de l'ordre de 60%. Bien évidemment, si on dissèque cette zone à l'aveugle, on aura des perforations et on ne pourra pas les voir, on ne pourra pas les traiter parce qu'on ne les voit pas. Donc ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, c'est très important de connaître la largeur du sinus maxillaire et la plupart du temps, il est très étroit en position antérieure, d'où l'intérêt de positionner votre fenêtre la plus antérieure possible pour pouvoir disséquer la membrane sinusienne dans cette zone-là en vision directe. Ensuite, il y a le problème de l'épaisseur. Là aussi, il y a une petite controverse. Il y a par exemple Marin et Lume qui disent que plus la membrane est fine, plus elle est fragile. Et Alberto Monge, lui, démontre qu'elle peut être fragile si elle est inférieure à 1 mm, mais aussi si elle est supérieure à 2. Tout dépend si elle est un petit peu pathologique. Il y a des membranes qui sont un petit peu gélatineuses, qui semblent très épaisses, qui en fait sont très 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 fragiles. Donc faites très attention. Un facteur sur lequel il y a consensus, c'est la présence de septa, qui souvent sont orientés dans diverses directions. Ils peuvent être médiolatéraux, ils peuvent être antéro-postérieurs, ils peuvent être en avant ou en arrière du processus zygomatique, ce qui fait que la difficulté n'est pas la même pour les gérer. Donc,
Le mieux, lorsque vous avez des septas, pour être sûr de l'anatomie du septa, de sa hauteur, du nombre de septas, etc., c'est de faire une reconstruction 3D. Au moins, vous êtes sûr de l'anatomie interne du sinus. C'est très important. Ne vous fiez pas uniquement aux images 2D. Il est impératif d'avoir des reconstructions tridimensionnelles. Pour ce qui concerne les fumeurs, il y a plusieurs théories, plusieurs écoles. Il y a des gens qui disent que chez les fumeurs, la membrane est plus fine, alors que, par exemple, Thomas von Arx lui dit que chez les fumeurs, la membrane elle est comme chez les autres, donc elle peut être fine ou épaisse, mais ce n'est pas la fumée qui va influer sur la solidité de la membrane. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas toujours de consensus. Aujourd'hui, on dit tout et son contraire dans la littérature, donc il est important de vous forger vous-même votre expérience et de vous fier uniquement à ce que vous voyez, vous, avec vos yeux. J'ai une petite question. Oui. Au niveau justement de la prévention des perforations et de l'accès, tu disais que justement souvent on a tendance à décaler notre fenêtre en distal et oui. Un accès visuel confortable en mésial. Est-ce que toi, tu es plus pour des fenêtres larges, avec un accès visuel qui est un petit peu... ou plusieurs fenêtres petites ? Moi, je suis plutôt... il y a plusieurs écoles là-dessus. Nous, on essaye de se limiter à des fenêtres petites, mais l'important, ce n'est pas tellement la position de la fenêtre, c'est, bien évidemment, si vous avez des septas, c'est autre chose. Il y a deux septas médiolatéraux, par exemple, il va falloir faire trois fenêtres. Hein, s'il y en a un, vous allez en faire deux, des septas complets, bien évidemment. En revanche, en l'absence de septas, ce qui est très important, c'est la largeur du sinus. C'est ce qu'on appelle l'angle A, ou bien l'angle B. Vous avez des angles, ce qu'on appelle l'angle B, c'est l'angle qui existe entre la composante nasale de la paroi médiale et la composante palatine. Si cet angle-là est inférieur à 30 degrés, vous avez des risques importants de perforation, mais ce sont des perforations qui sont très internes, qui vont se traiter autrement que celles qui sont externes. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment très 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 important, c'est la largeur du sinus. D'accord ? Si vous avez un sinus qui est, qui est étroit dans sa partie antérieure et qui est large dans sa partie postérieure, et on peut faire une petite fenêtre en la positionnant de façon très antérieure. Parce qu'il faut savoir que quand l'angle A est supérieur à 60 degrés, le risque de perforation, il est nul. Bien évidemment, en l'absence de facteurs de risque comme les septas ou bien les irrégularités du plancher sinusien. Donc l'anatomie, elle va vous dicter la position et la forme de la fenêtre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a Il n'y a pas de forme idéale de la fenêtre. Il n'y en a pas. C'est pour ça que la théorie qui consiste à dire on enlève le volet et une fois qu'il est, on a fait l'intervention, on va le repositionner, j'y crois pas trop parce que ça vous interdit ça de modifier la forme de la fenêtre en fonction des difficultés que vous rencontrez au cours de l'intervention. Parce que si vous modifiez la forme de la fenêtre, vous ne pourrez plus repositionner le volet et il ne tiendra pas. D'accord ? Donc, il faut se laisser la possibilité de faire la plus petite fenêtre, la fenêtre la plus petite possible, en se laissant une marge de sécurité pour pouvoir modifier cette fenêtre. D'accord ? Est-ce que je me fais bien comprendre ? Oui, parfait. D'accord ? Et tu parlais de l'irrégularité du fond du sinus maxillaire. Est-ce qu'il faut attendre un temps entre les extractions et le comblement, ou est-ce qu'on peut faire les extractions et le comblement dans la même séance ? Il faut savoir que si on fait des extractions et que vous avez des racines antrales, il est bien évident que vous aurez des irrégularités du plancher. Donc forcément, il y aura un risque accru de perforation. Donc il est préférable d'attendre, ou alors tout simplement, on fait ce qu'on appelle une préservation de crête. Maintenant, on a des tas de techniques de préservation de crête, en particulier avec le PRF associé à des biomatériaux, qui vont vous permettre de maintenir la hauteur osseuse sinusienne et d'éviter de faire une greffe de sinus maxillaire par la suite. On peut très bien faire ce qu'on appelle la préservation de crête, avec des membranes, sans membranes, enfin, il y a des tas de techniques possibles, et ça fonctionne très bien. Donc, il vaut mieux, lorsqu'on fait des extractions, on a deux choix. Soit
vous faites une reconstruction de crête, une préservation, soit vous différez votre greffe de sinus, il faut attendre qu'il y ait un nivellement du bas-fond du sinus maxillaire. Ok. D'accord ? Bien, maintenant, il y a un autre facteur anatomique qui est très important, on en parle très peu souvent, mais il est fondamental à prendre en considération. C'est le facteur suivant, c'est la largeur du complexe ostéométal, en particulier de cette partie-là, qu'on appelle l'infondibulum, et le méa moyen ici. Si cette zone-là est étroite, comme c'est le cas ici, quand on a une sténose, à ce moment-là, cette situation anatomique combinée à l'inflammation de la membrane post-opératoire, qui est la règle absolue, vous avez toujours une inflammation, comme vous voyez ici, c'est un combine qui a été fait aussitôt après une intervention. Vous voyez qu'ici, la membrane est très inflammatoire. C'est normal. Si vous avez cette membrane ici, donc, qui devient beaucoup plus épaisse, forcément, l'infondibulum ici, qui est la composante externe du complexe ostéométal, va être fermée et vous n'aurez pas de drainage. Alors, que fait-on dans un cas comme ça ? Dans un cas comme ça, si vous avez cette fermeture complète du complexe ostéométal, vous aurez sûrement une infection. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de prévenir cette infection, tout d'abord en donnant des stéroïdes, des anti-inflammatoires locaux, des corticoïdes, simplement, sous forme de spray, que l'on utilise, nous c'est ce que nous faisons, nous utilisons ce spray 2 jours avant l'intervention et 15 jours après, 2 fois par jour, dans chaque narine, on utilise du budesonide, de la mométasone, c'est du rhinocobe, du nasonex, pour justement limiter cet œdème au niveau de du complexe ostéométal. La deuxième chose, c'est si vous décelez ce type d'anatomie, ce type de sténose du complexe ostéométal, ça veut dire que l'anatomie n'est pas normale. Et si vous regardez cette publication qui nous vient de Corée, il y a plusieurs structures anatomiques qui vont faire que le complexe ostéométal va être sténosé. On peut avoir ici une hypertrophie du processus incisional, du processus insuliforme, comme vous voulez. Vous voyez ici, il est très épais, donc ici, l'infondibulum est très fin. Ici, on a une déviation du septum nasal vers la droite, et vous voyez que forcément, l'infondibulum, il est très fin, et là, on a même le méa moyen qui est fin. On peut avoir aussi une hypertrophie, une hyperpneumatisation du cornet moyen, que vous voyez ici, ça s'appelle une concabulosa. Le volume fait que cette zone-là aussi est très, très, très étroite. On peut avoir une hypertrophie des cellules de Haller, ici, vous avez, excusez-moi, de nouveau l'infondibulum qui est très, très fin. Ici, on a une infertilité du cornet moyen qui a le même effet sur la largeur du complexe ostéométal. Donc, toutes ces structures anatomiques-là, il faut vraiment les prendre en considération avant. Demander son avis à l'ORL. Je vous montre un cas clinique. Ici, une patiente à qui on a fait une greffe du sinus maxillaire avec pose simultanée d'implant, qui 3 semaines après l'intervention se représente avec une douleur, de la fièvre et un œdème. Chaque fois que nous avons une complication post-opératoire de type infectieux, qui s'accompagne donc de fièvre ou de douleur, mais même s'il n'y a pas de fièvre, ça peut être uniquement des phénomènes douloureux, la première des choses à faire, c'est de faire un cone beam de contrôle. Ça, c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure. Et le cone beam nous montre ici une perforation non détectée qui a entraîné une perte de granules à travers cette perforation non détectée. Tout simplement, on le voit très bien ici, c'est que la fenêtre elle était trop postérieure. Et si vous regardez sur des coupes coronales, vous voyez que ici, au sein du complexe ostéométal, vous avez des granules qui sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués ? Parce qu'il y avait une concabulosa ici.
Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir de drainage de ces granules. Dans un cas comme ça, il est impératif d'adresser le patient tout de suite à l'ORL, et l'ORL va faire ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il va faire, dans un premier temps, vous voyez, il va retirer la concabulosa, ici, pour avoir accès à l'ostium, qui est ici. Il va ouvrir cet ostium, ce qui va provoquer donc le drainage. Il va faire deux ouvertures, une ici, une un peu plus haut, et vous voyez que tout le pus va sortir. Ensuite, on va élargir l'ostium, ici, plus exactement le méa moyen, pour pouvoir avoir accès à l'intérieur du sinus. Ça va être lavé avec des antibiotiques et du sérum physiologique. Et vous voyez que ici, lorsqu'on regarde dans le sinus, on a la confirmation de ce qu'on avait vu sur le COBI, c'est-à-dire une perte de granules à travers la membrane sinusienne. Et ces granules sont venues obstruer le complexe ostéoméatal. En faisant ça très rapidement, eh ben on peut maintenir les implants et la greffe. Vous voyez ici, c'est une vue à 5 ans. La patiente n'a absolument aucun problème. Ça a été grâce au diagnostic précoce. Si on ne fait pas de diagnostic précoce, si on donne des antibiotiques à l'aveugle, par exemple, eh ben tout ça va se chroniciser et ça va finir en général très mal. Par exemple, la patiente dont je vous ai montré, qui a eu c'est un cas italien qui m'a été donné par Tiziano Testori, cette patiente-là, elle a eu ce genre de problème, mais on n'a pas essayé de savoir pourquoi elle avait une infection, on lui a donné des antibiotiques à l'aveugle, et un beau jour, tout simplement, ça s'est transformé en abcès au niveau du cerveau. La patiente n'arrivait plus à parler, n'arrivait plus à marcher, et il a fallu lui faire de la neurochirurgie pour essayer de récupérer le problème. Donc vous voyez, ne donnez surtout pas d'antibiotiques à l'aveugle, plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on lui donne des antibiotiques tout de suite jour du diagnostic de l'infection, on voit que ça rentre dans l'ordre, on ne va pas chercher plus loin, et puis après ça se reproduit une fois, deux fois, et ça se termine toujours mal. Donc toujours, la première des choses à faire, c'est d'aller vérifier quel type de complication, pourquoi il y a eu cette complication, et comment, quelle est la meilleure stratégie pour la gérer. Alors, maintenant, donc vous voyez, dès que l'on diagnostique une sténose du complexe ostéoméatal à cause d'une concabulosa, par exemple, on va adresser le patient à l'ORL, qui va faire une turbinectomie, qui consiste à retirer, vous voyez, c'est tout vide à l'intérieur, c'est rempli d'air, donc on va retirer complètement le cornet moyen, de façon à pouvoir décomprimer cette zone-là. Et voilà, donc le cornet moyen a été retiré, vous allez le voir ici. Il peut être retourné en un seul morceau ou en deux morceaux, tout dépend de l'intervention. Voilà, c'est un autre cas. Mais c'est pas systématique. Non. Lorsqu'on est face à une concabulosa, on ne fait pas systématiquement une turbinectomie. C'est pas nous qui devons décider. C'est l'ORL qui décide. Nous, on n'est pas compétents pour ça. D'accord. Il faut demander à l'ORL ce qu'il en pense. D'accord. C'est lui. Parce que peut-être qu'il va dire non, là ça va aller, c'est pas très large, c'est pas très important comme sténose, etc., etc. Nous ne sommes pas compétents pour ça. C'est lui qui a les choses en main. Et il va nous faire une lettre en disant c'est bon, tu peux y aller ou tu n'y vas pas. Ou je vais faire une turbinectomie. C'est pas nous qui devons décider, c'est hors de notre domaine de compétence. D'accord ? Et du coup, on a une question dans ce sens, c'est est-ce que finalement, il n'est pas préférable d'adresser tous les patients d'assurance préopératoire chez l'ORL? Ah ben, au moins lorsqu'on débute, c'est évident. On va en reparler à la fin de ça. On va en reparler à la fin. En condition de choisir le bon ORL. Mais ça, on va en parler à la fin. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on peut avoir des risques d'infection post-opératoire à cause de problèmes dentaires. Vous voyez ici une patiente qui se présente à la consultation avec cette image-là, douleur, fièvre, et tout de suite on fait un colbim et on constate qu'en fait il y a un résidu de pâte endodontique qui,
qui n'est pas très bien placé, ça s'appelle une aspergillose. Soit il va y avoir une greffe aspergillaire sur ce résidu de pâte orthodontique qui va entraîner l'infection, soit il va carrément venir obstruer le méa moyen. Ben, l'osture, plus exactement. Dans un cas comme ça, on peut adresser le patient très vite à l'ORL. Vous voyez qu'ici, en fait, on avait posé des implants. On ne voit pas les implants, mais les implants sont posés. Ils ne passent pas par la coupe. On va adresser le patient à l'ORL qui, tout de suite, fait aussi une méatotomie afin de drainer l'aspergillome. Vous voyez ici le contenu du sinus. C'est pas très. J'espère que vous n'avez pas dîné. Vous voyez ici, donc, tout le contenu de la cavité sinusienne est drainé. On va nettoyer, il va y avoir une antibiothérapie systémique, bien évidemment. Et ça va permettre, si c'est fait suffisamment tôt, donc si on fait un diagnostic précoce, à ce moment-là, on va pouvoir conserver les implants et la greffe. Vous voyez ici, donc il n'y a plus du tout d'infection et l'ostium est parfaitement ouvert. On a fait la turbinectomie, tout va bien. J'ai une petite question pour ces matériaux endodontiques. Parfois, on n'a pas forcément de réaction sinusienne et on peut avoir au niveau de la sinusienne du matériau endodontique qui est bloqué entre la membrane et le fond osseux et qui est pile à l'endroit où on doit réaliser notre greffe. Est-ce qu'il faut systématiquement retirer ce matériau endodontique qui est emplacé dans la membrane au moment du comblement? Ou est-ce qu'on peut le laisser en place adhérent à cette... Tu as raison de poser la question. En effet, en principe, s'il est dans l'épaisseur de la membrane, on peut le laisser. On peut très bien le retirer aussi, mais on aura une perforation, une petite perforation qu'on pourra gérer. Aujourd'hui, nous, lorsqu'il est dans l'épaisseur de la membrane, on n'y touche pas. En revanche, lorsqu'il est dans la lumière du sinus, il faut absolument le retirer. Parce que forcément, un beau jour, il va entraîner des problèmes. Dans les publications... l'on a concernant la prévalence des aspergilloses lorsqu'il y a des résidus de pâte orthodontique, il n'y a que 10% des cas où on n'aura pas d'aspergillose. Dans 90% des cas, vous aurez une aspergillose si vous laissez un résidu de pâte orthodontique dans la cavité sinusienne. Donc, il est préférable de la retirer. C'est ce qu'on fait ici, sur ce patient-là, vous voyez. Alors en plus, c'est très mal placé parce qu'il est vraiment à l'ouverture de l'orifice d'odrénal, du complexe ostéoméatal. Là, on va adresser le patient à l'ORL en préopératoire. On va lui demander son avis et la plupart du temps, il va dire qu'il vaut mieux le retirer. Là, vous avez vu qu'on l'a retiré dans la vidéo que je viens de vous montrer. Ça a été retiré. Je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Vous voyez le résidu de pâte qui va être retiré avec l'aspirateur. Voilà. Et là, à ce moment-là, après, on pourra, après avoir recueilli, avoir obtenu le feu vert de la part de l'ORL, on va pouvoir faire notre greffe sans problème. Il y a un autre problème maintenant dont on parle très peu souvent. À ce moment, on s'y intéresse beaucoup. Et vous avez des périimplantites intra-greffe. Alors, est-ce que on a plus souvent, on a des périimplantites. Est-ce que, par exemple, la greffe de sinus maxillaire est un risque, un facteur de risque pour la périimplantite? On essaiera de répondre à cette question dans 2-3 minutes. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on a une périimplantite de sinus? Tout simplement parce que soit le patient a des facteurs de risque, la plupart du temps, et parmi ces facteurs de risque, il y a les parodontites non stabilisé, comme c'est le cas ici. Théoriquement, ces dents auraient dû être soit extraites, soit traitées au plan parodontal avant que l'on fasse cette greffe du sinus maxillaire qui peut se traduire par... la périimplantite, elle peut revêtir plusieurs formes au sein des greffes du sinus maxillaire. Ici, vous voyez que ça n'est pas uniquement réservé aux greffes qui sont faites avec des biomatériaux. C'est tout à fait possible aussi avec de l'os autogène, ce cas qui m'a été prêté par Jean-François Tulane. Vous voyez ici des périimplantites, même avec de l'os autogène. Ce n'est pas uniquement réservé aux greffes qui sont faites avec des matériaux de type allogreffe ou xénogreffe ou matériaux alloplastiques. L'os autogène n'échappe
pas la règle. Ici, vous voyez que vous pouvez avoir, sur des vieux, ça c'est des vieux implants qu'on avait posés au début des années 90, à l'époque c'était des implants cylindriques recouverts de plasma spray, qu'on appelait les IMZ, c'était les seuls implants rugueux qui étaient disponibles à cette époque, au début des années 90, et nous avons commencé avec David Aventure à faire ses greffes en 1990 justement. Vous voyez que nous avons utilisé beaucoup d'implants à surface rugueuse, et un tiers des implants ont montré une perte osseuse verticale visible. Ils ont tous été perdus. Tous, on n'a pas pu en maintenir un seul. Donc, vous voyez que ça entraîne ici des sinusites qui se traduisent aussi par une obturation complète de l'ostium. Alors, on va parler un petit peu de ça. Vous voyez que si on a une périimplantite, si on ne vérifie pas que l'ostium est bouché, est ouvert, pardon, le complexe ostéoméatal est ouvert avant de déposer les implants, on aura une CBS exactement comme si on faisait une extraction d'une dent qui a causé une sinusite, alors que le méa est bouché. Donc c'est exactement la même chose. Si vous voulez déposer des implants qui ont créé une périimplantite, vérifiez d'abord que le sinus se draine. Donc, la périimplantite, en fait, c'est un facteur de risque pour la grève du sinus maxillaire, et non pas le contraire, parce qu'on a exactement la même prévalence pour ce qui est de la périimplantite dans les sinus greffés, dans les zones greffées, que dans l'os natif. En revanche, comme cela a été démontré dans une publication très récente d'Olivier Carquac, qui fait partie du groupe de Thorberg-Lund à Göteborg, en fait, la périimplantite est beaucoup plus destructrice dans un site greffé, mais elle ne surviendra pas de façon plus probable dans un site greffé que dans un site non greffé. Alors, ça peut prendre plusieurs visages. Ça peut être une lésion très importante, comme vous le voyez ici à gauche, avec une petite réaction de la membrane sinusienne, mais ce n'est pas du tout une sinusite. On peut avoir des défauts relativement limités. Là, peut-être qu'on va pouvoir sauver l'implant en faisant une thérapeutique classique de la périimplantite. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de réaction de la membrane de Schneider. En revanche, ici, on a un gros défaut avec une réaction de la membrane de Schneider et une obturation du méa. Là, on va pouvoir faire une méatotomie et déposer l'implant. Et ici, même chose, c'est encore plus visible. Vous voyez ici l'ostium qui est complètement bouché. Et là aussi, on va pouvoir déposer l'implant et ensuite voir si le patient veut un autre implant. Mais il faudra réfléchir à la façon de résoudre le problème du défaut osseux. Donc, vous voyez que ça arrive essentiellement, ça, chez les patients qui ont des facteurs prédisposants pour la périimplantite, qui sont fumeurs, mais aussi, surtout, chez des patients qui ont des antécédents de maladies parodontales, et encore plus souvent chez les édentés partiels, mais ça arrive aussi chez les édentés complets. Ici, par exemple, cette patiente-là, qui présente une parodontite relativement sévère, ou bien cette patiente qui présente des périimplantites partout, est-ce que ces patients-là, ce sont des contre-indications à la réalisation de la greffe du sinus maxillaire? Sûrement pas. Sûrement pas si on met en place des problèmes de maintenance, des programmes de maintenance et de prévention efficaces. Bien évidemment, les patients qui se brossent comme ça, il va falloir qu'ils revoient un peu leur copie. Il va falloir que nous, praticiens, nous construisions des prothèses qui soient faciles à entretenir, avec des embrasures larges, par exemple. Il va falloir que nous aménagions les tissus mous autour des implants qui sont placés dans des sinus greffés, de façon à ce qu'il y ait pas mal de gencives kératinisées, de tissus kératinisés autour de ces implants. Il va falloir faire des prothèses démontables. Pourquoi démontables? Parce que ce sera beaucoup plus facile de traiter la mucosite qui, comme vous le savez, est le premier stade de la périimplantite. C'est aussi le seul stade qui est réversible. Donc, on va pouvoir plus facilement traiter la mucosite en démontant les prothèses,
si on a pris la précaution pardon, de faire des prothèses vissées. C'est pour ça que dans le programme de maintenance, il est impératif de revoir les patients au moins 2 fois par an au départ et ensuite 1 fois par an pour vérifier qu'il n'y a pas de saignement au sondage sans avoir de profondeur de poche supérieure ou au-delà de 3 mm, bien évidemment. Dans ces cas-là, c'est plus vraisemblablement une périimplantite si on a 4 ou 5 mm. Mais si vous avez 3 mm avec un saignement, c'est vraisemblablement une mucosite. Dans ces cas-là, vous allez démonter la prothèse et traiter votre mucosite de façon tout à fait classique. Vous voyez ici, cette patiente qui avait des périimplantites partout, ben en mettant en place ce programme de maintenance, on a pu lui faire donc 2 greffes du sinus pour une construction complète de du maxillaire avec donc 2 greffes ici, bilatérales. Et vous voyez qu'au bout de 5 ans, la situation de l'os périimplantaire est tout à fait intéressante. De façon générale, vous avez des dents à risque qu'il va falloir prendre en charge, qu'il va falloir traiter avant de faire notre greffe du sinus maxillaire. Par exemple ici, vous voyez qu'il y a un traitement endodontique qui est un peu limite quand même. Ben, ici, on a un début de lésion apicale. Il est bien évident que cette dent, soit on la retraite, à condition qu'il y ait un excellent endodontiste qui va vous garantir qu'il n'y aura pas de récidive, ou alors on extrait la dent avant et on met un implant ici au lieu de le mettre ici. Tout simplement. Maintenant, le dernier facteur qui fait qu'on peut avoir une altération de la physiologie du sinus maxillaire, c'est l'état de santé du patient ou bien son histoire médicale. Alors, il y a des patients qui ont des antécédents chirurgicaux, qui par exemple ont été traités pour des sinusites, avec les techniques qui sont un petit peu dépassées aujourd'hui. Ce sont des techniques de Caldwell-Luke qui nécessitent de faire donc un abord au niveau vestibulaire, au niveau de la fosse canine, avec une contre-ouverture nasale, ici, pour avoir un drainage. Donc vous avez ici une solution nasale. Donc, forcément, cette solution de continuité au niveau de la paroi vestibulaire, elle va se traduire une fusion complète du périoste ici avec la membrane de Schneider. Et forcément, si vous ne faites pas un lambeau de demi-épaisseur ici, au moment où vous levez votre lambeau, vous aurez obligatoirement une perforation de la membrane. Donc, ça va compliquer les choses. Ou alors, vous pouvez avoir des patients qui ont des échecs de greffe, pour lesquels le plancher a été complètement perdu. Donc là, il y a une perte au niveau de la crête et une perte du plancher. Donc là, il va falloir envisager de faire une reconstruction à l'intérieur du sinus et à l'extérieur du sinus. Donc vous allez faire une augmentation verticale et verticale à l'intérieur du sinus. C'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est... Et ici, bien évidemment, il va falloir faire un abord au niveau des tissus mous en demi-épaisseur, si vous voulez éviter de créer en plus des perforations de la membrane de Schneider au moment où vous faites votre dissection. Il y a aussi quelque chose de très important à prendre en compte, c'est les pathologies qui peuvent entraîner ce qu'on appelle des barotraumatismes, c'est-à-dire une augmentation en post-opératoire de la pression intrasinusienne. Cette augmentation en post-opératoire de la pression intrasinusienne qui va se traduire par obligatoirement un déplacement en vestibulaire du greffon. Ça, c'est lorsque les patients éternuent fortement après une intervention. Les patients qui sont allergiques, en particulier les patients qui sont allergiques au pollen, il est préférable de ne pas faire ce genre d'intervention en période allergisante, si je puis dire. Par exemple, les patients qui sont allergiques au pollen, vous leur faites une intervention au mois de juin, et forcément, il éternuera après, et ça entraînera donc cette extériorisation du greffon. Ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer, il peut y avoir une infection, et à ce moment-là, vous allez devoir, en catastrophe, tout retirer, faire des méatotomies, et refaire une greffe après. Donc, il vaut mieux éviter. Ou alors, vous êtes
est conscient de la chose, le patient ne veut pas ou ne peut pas remettre l'intervention, dans ces cas-là, vous mettez en rapport avec son médecin traitant qui va lui prescrire un traitement antihistaminique adapté. Voilà ici un patient qui, 3 semaines en post-op, est venu avec un œdème, douleur, vous voyez que les fils ont été enlevés, et puis à 10 jours, et 2 semaines après, il revient avec des douleurs, de fortes douleurs. Et là, il nous dit, bah, écoutez, docteur, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, je suis allergique au pollen. Et tout de suite après l'intervention, j'ai éternué, et dans les jours suivants, plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois par jour. Et tout de suite, on fait un cone beam. Et là, on va voir sur le cone beam qu'on a une belle extériorisation du greffon ici. On va vérifier que le méa est libre, et dans ces cas-là, on va devoir retirer tout cet excès de matériaux et éventuellement regreffer. Il est préférable, chez ces patients-là, de décaler l'intervention ou bien utiliser un traitement antihistaminique. Ici, un autre patient, je vais vous raconter son histoire après, c'est un patient qui se présente 3 semaines après l'intervention comme ceci. Il avait des douleurs, un œdème important et tout. On regarde tout de suite sur le cone beam et on voit qu'il y a une extériorisation du matériau de greffe ici, sur la coupe axiale et sur les coupes coronales. En fait, le patient, vous n'avez pas dit qu'il souffrait d'apnée du sommeil, et en fait, il avait remis son masque tout de suite après l'intervention, et comme ce sont des masques à pression positive, forcément, il y a eu une poussée de l'air à l'intérieur du sinus qui a entraîné un déplacement aussi de la membrane. Vous allez voir, c'est une image assez intéressante, et tout ça, ça a fait que le matériau a été projeté vers l'extérieur. Voilà ce qui s'est passé pour ce patient. Il est venu comme ceci. Vous voyez que lorsqu'on lève le lambeau, on voit une bulle de membrane qui est passée à travers la membrane, à travers la greffe, et qui a poussé le matériau à l'extérieur. Donc là aussi, pour régler le problème, on a dû faire, dans un premier temps, une dépose du greffon. On a traité avec un antibiotique local suivant la technique qui est publiée, qui est préconisée par Isvan Urban, on utilise de la doxycycline, un petit doxycycline pendant 10 minutes. On nettoie, on retire le matériau. On désinfecte aussi avec de la bétadine, et vous voyez qu'après ça, bon, mais la fistule, elle persiste. Dans un cas comme ça, après, le patient il va subir une méatotomie, et on va pouvoir faire disparaître la fistule et pouvoir le regreffer secondairement ici, en lui recommandant de ne pas mettre son masque à pression positive. Ici, une patiente qui a subi une greffe de sinus bilatéral, qui retourne voir son praticien au bout de 6 mois, qui fait un contrôle, qui voit qu'au milieu de la greffe, il y a un problème de densité, il y a une lacune importante, et là, on pousse un petit peu plus l'interrogatoire, et la patiente avoue que, en fait, elle a oublié de le dire, mais une pilule tous les mois, d'alendronate, parce qu'elle est traitée pour de l'ostéoporose depuis 8 ans. Et même pris par voie orale, vous voyez que ça peut avoir des conséquences un peu regrettables. Si vous regardez la littérature, il n'y a pas vraiment de consensus, mais maintenant, on commence à avoir des papiers qui sortent en disant qu'il n'y a peut-être pas assez d'insuffisance, il n'y a pas assez de données pour nous garantir que dans aujourd'hui, les patients qui prennent des bisphosphonates, ce n'est pas forcément des bons candidats pour ce type de chirurgie. Donc il est là aussi, il va falloir se rapprocher du médecin traitant et discuter de tout ça avec lui. Le tabagisme, qu'en est-il? Si vous regardez la littérature, vous avez des gens qui vous disent, dans toute cette équipe-là, qui vous disent surtout pas, au-delà de 10 cigarettes par jour. Ici, vous avez vu qu'il vous dit il n'y a aucun problème, les fumeurs, on peut les traiter, mais tous ces gens-là ont été mis d'accord récemment par une étude coréenne qui nous montre de façon évidente, parce qu'ils ont comparé carrément les groupes des fumeurs et les non-fumeurs, et la différence concernant le taux de survie des implants, il n'a rien à voir, il est vraiment significatif. Traiter des patients non-fumeurs que des patients fumeurs. Maintenant, quel type de prémédication faut-il donner ?
En théorie, lorsque nous faisons ce genre d'intervention, on travaille dans une salle où on fait de la chirurgie propre, c'est-à-dire que on ne doit pas amener de germes extérieurs. Donc, on a une structure particulière, dans un cabinet ou dans une clinique, où vous voulez, mais on travaille dans des conditions les plus propres possibles pour éviter l'apport de germes extérieurs. Mais il faut savoir, si vous regardez cette publication, que souvent, dans les sinus, il y a déjà des germes, et souvent beaucoup de streptocoques. Dans cette étude de Carigno-Carigno, qui est relativement récente, ils ont fait des prélèvements systématiques chaque fois qu'ils ouvraient le sinus, et bien dans 18% des patients, ils ont trouvé des germes. Et ils ont dit que le meilleur des traitements pour traiter ces germes-là, c'était soit la pénicilline, associée à l'acide clavulanique, soit éventuellement des fluoroquinolones, la ciprofloxacine. Alors, cet antibiotique, on l'utilise difficilement, ce n'est pas facile à utiliser, parce qu'il y a des effets secondaires, on va y revenir tout à l'heure. Donc, on utilise de façon préférentielle l'amoxicilline. Le problème, c'est que le patient est allergique à la pénicilline, qu'est-ce qu'on doit utiliser ? Eh bien, on ne sait pas trop parce que la plupart du temps, on utilise de la clindamycine. Et la clindamycine, ça ne fonctionne pas toujours très bien. On a constaté que, si vous regardez la littérature, souvent, les patients allergiques à la pénicilline présente plus de problèmes que les gens qui ne sont pas allergiques à la pénicilline. Cette publication de Fouad Khoury qui nous montre que l'utilisation en prophylaxie de la clindamycine dans les greffes de sinus maxillaire, ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'il démontre dans cet article, que je vous encourage à lire, qui est très intéressant, que la clindamycine a un effet inhibiteur sur les ostéoblastes et un effet stimulant sur la prolifération de Prevotella. Prevotella, c'est une bactérie qu'on n'aime pas trop avoir dans les sinus, et ailleurs aussi d'ailleurs. Et on voit que, donc, forcément, la clindamycine, ce n'est pas toujours une bonne idée de l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer la clindamycine ? Pour remplacer la clindamycine, comme je vous disais, on va utiliser, ou si on peut remplacer la pénicilline, on va utiliser les quinolones de deuxième génération, les fluoroquinolones. Mais si vous regardez la littérature, avec ce genre d'antibiotiques, il y a des effets secondaires qui ne sont pas très sympathiques, en particulier une rupture spontanée du tendon d'Achille et des tendinites. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors, que faut-il faire ? Est-ce que, pour autant, on doit considérer les patients allergiques à la pénicilline comme des contre-indications à la réalisation d'une greffe du sinus maxillaire ? On ne peut pas aller jusque-là. Si vous regardez la littérature, il existe des tests pour diagnostiquer l'allergie à la pénicilline. Et si vous utilisez ces tests, vous vous rendez compte que 10% des patients prétendent être allergiques, mais en fait, parmi ces 10%, 90% ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux allergiques. Donc, avant de vous lancer dans l'utilisation d'antibiotiques qui ont des effets secondaires assez importants, il faut être sûr que le patient est vraiment allergique. Donc, je vous encourage vraiment à prescrire ce genre de test. Si vous devez utiliser des fluoroquinolones, à ce moment-là, vous verrez ça avec le médecin traitant. Mais surtout, faites attention, ne prescrivez pas ces antibiotiques de façon systématique et irréfléchie. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de participer à une conférence de consensus concernant tous ces problèmes de complications post-opératoires avec des confrères italiens et américains. Et nous sommes mis d'accord sur le fait que les patients allergiques à la pénicilline, on pouvait utiliser en couverture, hein, pas pour traiter les complications, mais en couverture, il était préférable d'utiliser soit de la clarithromycine à 250 mg, soit de l'azithromycine, en général deux fois par jour, associé à du métronidazole
trois fois par jour, un jour avant l'intervention et pendant 7 jours. Chez les patients qui sont allergiques à la pénicilline, les vrais allergiques, dans ces cas-là, en cas de complication, on va utiliser ces fameuses fluoroquinolones, mais avec l'accord, où on va le faire prescrire par l'ORL ou le médecin traitant. De façon générale, il est très important de prendre en considération l'état de santé du patient. Pour ce qui concerne, par exemple, les allergies saisonnières ou médicamenteuses, pour cela, on va se mettre en rapport avec le médecin traitant du patient. Les patients qui prennent du bisphosphonate, on va se mettre en rapport avec le rhumatologue ou le gynécologue qui est prescripteur. Les patients diabétiques qui ont une hémoglobine glycée supérieure à 7%, ils ont des risques d'infection très élevés. Dans ces cas-là, on va se mettre en rapport avec le diabétologue de façon à faire diminuer cette hémoglobine glycée en deçà de 7%. Aujourd'hui, on a de plus en plus de publications de littérature qui mettent l'accent sur les carences ou les déficiences en vitamine D. En dessous de 30 nanogrammes, il va falloir peut-être supplémenter le patient en vitamine D ou alors lui recommander de partir un peu en vacances au soleil. Voilà, donc il est temps de conclure maintenant. Et lorsque nous avons un patient qui est candidat pour une greffe du sinus maxillaire, ne nous précipitons pas sur notre bistouri, mais essayons de réfléchir en regardant ses radios, en regardant son questionnaire médical, etc. Et nous devons nous poser plusieurs questions. Qu'en est-il de l'anatomie du sinus du patient? Est-ce qu'il y a des septas? Est-ce qu'il y a une artère alvéolante, etc.? Est-ce que ce sinus est sain ou il présente certaines pathologies? Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs particuliers au niveau de l'anatomie, par exemple, qui font que je risque d'avoir une altération de la physiologie du sinus maxillaire après mon intervention? Qu'en est-il de l'historique médical du patient? Qu'en est-il de ses antécédents médicaux? Nous, chirurgiens-dentistes, nous sommes incapables de répondre à toutes ces questions. C'est pour ça qu'il va falloir mettre en place une approche d'équipe qui va réunir le dentiste, l'ORL et le médecin traitant pour pouvoir sélectionner notre patient au mieux et détecter les éventuels problèmes pour pouvoir les prévenir. Pour ce qui concerne l'ORL, comment choisir notre ORL? Voilà une publication très intéressante que je vais citer au début de ma présentation, où on demandait à un pool d'ORL quels étaient ceux qui recommandaient un cone beam préopératoire pour les patients candidats à la greffe de sinus. Et bien, il faut voir que 38% de ces ORL pensaient que le cone beam n'est pas utile. Donc, je pense qu'il vaut mieux pas choisir ce type d'ORL, ces ORL-là. Il vaut mieux travailler avec cela, avec 58% de la profession, heureusement. Et surtout, ne laissez pas le patient choisir lui-même son ORL. Il va aller voir son ORL, en principe. Si vous lui dites, écoutez, voyez votre ORL pour lui demander ce qu'il en pense, 9 fois sur 10, il va vous dire, mais l'ORL, il ne veut pas que vous fassiez ce que vous avez proposé, parce qu'en fait, l'ORL, souvent, il ne sait pas du tout ce que nous faisons. Donc, je vous conseille de choisir vous-même l'ORL, qui va vous aider à préparer le cas éventuellement avant, qui va pouvoir faire une méatotomie pour traiter une sinusite aiguë avant, il va pouvoir faire une turbinectomie, etc. Il va préparer le patient, il va aussi, en cas de complication, vous aider et éviter le patient aux gémonies les pires qui puissent exister. De façon générale, il est par garder la confiance du patient. Et si vous voulez garder la confiance du patient, il ne faut surtout pas utiliser la technique si vous n'êtes pas capable de prévoir et de gérer les complications. Voilà, je vous remercie de votre attention, mais avant de vous quitter, je voudrais vous inviter à venir participer
à venir assister au 13e symposium international que nous utilisons l'année prochaine, que nous organisons pardon, l'année prochaine au mois de mai en Corse, où nous aurons l'occasion de recevoir un plateau très intéressant qui réunit des confrères de la jeune génération et d'une génération un peu plus ancienne. Vous pouvez avoir tous les renseignements pour ce congrès en vous rendant sur le site de l'association de l'Inter Corse, où vous voyez en bas de cette diapositive. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne vous vois pas, c'est un petit peu frustrant, mais je réponds volontiers à vos questions. On est là, Pascal. Merci beaucoup de cette intervention. Marc, tu as des questions à recueillir, que tu as recueillies, pardon, sur, sur les questions à droite à gauche. Une question sur la prise d'anticoagulants et principalement des nouveaux anticoagulants entre guillemets type Xarelto et Liquis. Est-ce que la prise d'anticoagulants anti-vitamine K présente une contre-indication à la réalisation d'un comblement sous-cible? Bien. Comme ça présente des contre-indications à toute chirurgie, hein. Je pense que là, c'est pas à nous de décider. C'est le médecin traitant, en particulier le cardiologue, qui va décider, ou le neurologue. Mais c'est surtout pas nous. En revanche, on sait très bien que les anti-agrégants plaquettaires aujourd'hui, comme le Plavix par exemple, ou l'aspirine, c'est pas du tout des contre-indications. Mais les anti-vitamines K, oui. Je pense que oui. Donc ça, c'est pas du tout de notre compétence. Il est impératif de laisser la décision aux médecins traitants. Et aussi une autre question sur la mise en charge d'implants dans des sinus greffés. Est-ce qu'il faut éviter la mise en charge immédiate sur des greffés ou quoi des implants qu'on met en charge des implants dans des sites greffés? Est-ce que c'est une mauvaise idée de faire une mise en charge immédiate ou il n'y a pas plus de risques? Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Premièrement, si il y a un risque, je suis pas du tout fan de ce genre de choses parce que je vois pas l'intérêt d'aller mettre des implants en charge immédiatement au niveau du maxillaire postérieur. À la limite, qu'on fait une mise en charge immédiate au niveau antérieur ou dans les édentés complets, mais chez un patient édenté partiel, je vois pas l'intérêt d'aller faire une mise en charge immédiate au niveau maxillaire postérieur. Quoi qu'il en soit, le risque, c'est que si toutefois, comme on a tendance à le faire maintenant, si on pose des implants en même temps que l'on fait la greffe dans des secteurs où la hauteur osseuse sous-sinusienne est souvent réduite, pour assurer la stabilité initiale d'un implant en cas de hauteur osseuse sous-sinusienne réduite, on va devoir sous-forer au niveau du site implantaire. Si vous sous-forez, forcément, vous allez avoir un torque qui va être important, qui peut entraîner l'apparition de micro-fissures au niveau de la table vestibulaire. Si toutefois, vous avez une voie de communication entre l'extérieur, c'est-à-dire la cavité buccale, et le greffon, parce que vous avez des micro-fissures et que vous avez mis tout de suite une prothèse provisoire, forcément, les bactéries vont pénétrer le long des piliers et venir infecter le greffon. Donc, honnêtement, je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire ce genre, de faire des mises en charge immédiates sur des sinus greffés. C'est prendre des risques pour rien du tout. Voilà. Et aussi, dernière question sur le port de la prothèse amovible. Pour indiquer le port de la prothèse amovible après l'intervention d'un comblement. Il y a une chose qui est importante, je ne voulais pas montrer ici, mais je le montre en général dans les cours sur les complications. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'après l'intervention, vous allez avoir un œdème. Donc, soit le patient conserve sa prothèse sous le temps, soit il ne la met pas du tout. Parce que si vous la lui mettez tout de suite après l'intervention, bon, peut-être l'œdème va être limité, mais quand même, c'est d'avoir une blessure prothétique au niveau de la muqueuse alvéolaire. Et cette blessure prothétique aussi, ça peut être une perte d'entrée pour les germes qui vont venir contaminer la greffe dans sa partie vestibulaire. Donc, soit vous retirez carrément toute la partie vestibulaire de la prothèse amovible, soit vous dites au patient de ne pas la porter. Personnellement, je préfère
dire aux patients de ne pas la porter quand c'était l'édenté partiel. Et systématiquement, on retire la partie, le rebord vestibulaire. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de questions et d'un coup, il y a de plus en plus. Éventuellement, le laser peut apporter quelque chose dans l'abord du sinus maxillaire ou ça n'a aucun intérêt? Bon, je n'ai pas d'expérience. Mais sur pourquoi le laser éventuellement. Bah oui, pourquoi pas, mais enfin, je sais pas. Et l'apport du PRF, le fait d'utiliser le PRF permet de limiter les complications infectieuses éventuellement ou pas? Le PRF, on peut l'utiliser que pour perforation, hein, c'est évident, les petites, mais quand elles sont trop grosses, il va falloir utiliser d'autres techniques. L'intérêt du PRF aussi, c'est quand on l'associe à des biomatériaux, parce que le greffon va être beaucoup plus compact, et donc il y a moins de risques de perte de granules à travers une perforation non détectée. Donc ça peut être intéressant. Aujourd'hui, il y a pas mal de recherches, en particulier donc Simone Cortellini de l'Université de Louvain travaille beaucoup là-dessus, et il présentera ses résultats justement à l'occasion du congrès que nous organisons l'année prochaine. L'autre intérêt du PRF, ça peut être, et pour moi c'est l'indication majeure de l'abord cristal, c'est d'utiliser du PRF à l'apex des implants lorsque l'on choisit de faire une approche cristal. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une approche cristal, on sait que dans à peu près 50% des cas, on va perforer la membrane et qu'on ne va pas le voir. Aujourd'hui, le seul moyen de diagnostiquer une perforation de la membrane sinusienne lorsqu'on fait une approche cristal, c'est un contrôle endoscopique. Or, c'est difficile à mettre en place dans un cabinet. Donc, ce que l'on doit faire, c'est éviter d'utiliser des matériaux sous forme de granules à l'endroit donc, où l'apex de l'implant pénètre le sinus. Donc là, ça peut être intéressant d'utiliser du PRF. Après, mais je n'ai pas du tout d'expérience. Hein, on a fait quelques cas comme ça, mais je n'ai pas du tout d'expertise dans ce domaine-là. Mais pour moi, c'est l'indication intéressante du PRF. Le PRF seul, il y a quelques publications maintenant qui sont sorties il y a déjà quelques années. Pour l'instant, on attend d'autres publications sur l'utilisation du PRF comme seul matériau de greffe. Il y a on a pas mal d'espoir, mais aujourd'hui il n'y a pas d'évidence dans la littérature. Il faut attendre un peu plus de données, mais pourquoi pas. Ok, bon, là il n'y a plus de questions. C'est l'heure d'aller rendre l'antenne, c'est l'heure d'aller se coucher. Bah, écoutez, voilà. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Je suis très heureux que tu l'aies fait sur ABC dans live. C'était une conférence véritablement intéressante. J'ai beaucoup aimé ce chiffre, 90% finalement de faux allergiques parmi les 10% d'allergiques à la pénicilline. C'est véritablement intéressant. Et puis ces belles images qu'on t'a prêtées de fibroscopie, c'est autre chose de voir évidemment. De cette façon, plutôt que l'aspergillose était véritablement impressionnante, comme tu l'avais décrite. Merci encore. La semaine prochaine, 1er juillet, je recevrai Benjamin Cortas, qui va nous parler de l'apport du numérique en implantologie dans le secteur antérieur, et ça sera modéré par Alex Dagba. Et on aura le 8 juillet, une soirée spéciale en endodontie, où on donnera carte blanche à Bertrand Cayat et à Guillaume Joigny. Ce sera une soirée qui sera elle aussi modérée par Grégory Caron. Voilà. Merci encore. Pascal, je remets la diapositive. Je vous invite donc tous à qu'on se retrouve au 13e symposium international donc à Porticcio. Et on peut s'inscrire donc dès maintenant sur associationdentairecorse.com. Voilà. Absolument. Dès maintenant.
Merci encore et puis à très bientôt. Portez-vous bien. Merci. Merci, bonne soirée.